Je veux, entre guillemets, que les gens que j'aime et que tout aille bien. Je touche du bois, je veux que tout aille bien tout le temps. Après j'ai pas grand beaucoup d'autres choses dont je rêve, où tous les matins je me dis putain, faut pas dire ça, mais si je pouvais faire ça, si je pouvais avoir ça, non, j'espère juste que ma famille, mes amis et les gens vraiment qui me sont proches et que j'aime et qui partagent les mêmes valeurs que les miennes, donc je pense l'honnêteté, là. Ouais, une certaine idée de la vie, un truc, voilà, tu fais ton truc, tu regardes pas forcément ce que font les autres à côté. Voilà, tant que ces gens-là vont bien, tant que ma famille va bien, tant que, voilà, je répète, mais c'est vraiment, tous les matins, je me dis, c'est ça, tant que tout le monde va bien et que je vais bien, ça roule et on continue comme ça et c'est tout ce que je demande. Ne vous moquez pas, je supporte pas. Donc, le cœur des hommes, parce que c'est, si on rebondit sur la question d'avant, c'est une histoire d'amitié entre quatre bonhommes. J'y crois beaucoup, je crois beaucoup à l'amitié. C'est quelque chose qui est très très important pour moi. Je pense que quand on est amis à vie, on n'en a pas beaucoup, mais c'est pour longtemps. Donc voilà, et puis en plus, je trouve que c'est drôle, je trouve que c'est premier degré, c'est simple, c'est pas prise de tête. Alors certains diront que c'est des films un peu simplistes, je trouve pas. Je trouve qu'au contraire, c'est des films qui rejaillissent un peu sur la vraie vie. Je pense que c'est des histoires qui se passent, qui se déroulent tous les jours. Et moi, quand je vais au ciné, c'est pour me détendre et c'est pour voir un truc qui peut exister. Bon, je suis assez... Je suis connu par mes amis qui se moquent beaucoup pour être un grand fan de Danny Briand. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison chaque fois que je vois Suzon. D'il y a 10 ans. Après voilà, j'écoute de tout, beaucoup de musique française, beaucoup de jazz, beaucoup de musique noire dans les vieux bars new-yorkais, au fin fond, ça j'aime beaucoup. Et je peux passer d'un style comme ça à un bon vieux Danny Briand pour bien me marrer avec mes amis. Donc voilà, tout sauf du rap français où j'ai beaucoup de mal. Ouais, je bouquine pas mal. J'ai beaucoup aimé l'été dernier, je me suis fait toute le Harlan Coben, la série du détective privé, la Myron Bolitar, et j'ai beaucoup apprécié. Voilà, c'est un truc qui me sort un peu du contexte tout en restant un peu dans le sport. Et dernièrement, j'ai lu, on m'a conseillé le bouquin de Johnny Wilkinson. J'aime beaucoup les biographies, les histoires vraies, ce qui rejaillit un peu toujours de ce qui se passe dans la vraie vie. Et j'ai été impressionné par le bonhomme, par l'implication qu'il a mis pour devenir un grand grand monsieur du rugby. Putain, celle-là, je l'ai pas préparé. Mais... une idole, non, honnêtement, même une personne emblématique, j'en ai pas, je regarde. Les décideurs du monde, que ce soit sportif, politique, et je trouve que j'en citerai pas, mais je pense que c'est des gens importants, et c'est vrai que ça, c'est des gens, quand tu les rencontres, ce sont des personnalités qui sont, qui en imposent beaucoup, qui ont un charisme énorme, qui prennent des décisions importantes et qui rejaillissent sur des millions de personnes tous les jours. Donc voilà, si je pouvais citer des personnes incontournables, après j'ai pas d'idole, j'ai pas de... Y a pas. Un petit message, si, continuons. Je sens qu'il y a une effervescence qui se crée, qui continue de se créer autour de la SCAN. On a fait une superbe réunion il y a de cela 20 jours, avec un bel engouement au niveau des partenaires. Je pense qu'il y a un bel engouement sportif à faire dans cette ville-là autour du volet. Continuons à travailler, continuons à prôner la même valeur d'un club familial, d'un club avec des valeurs saines. Je pense qu'on ira loin. Je suis persuadé qu'il y a tout pour qu'on redevienne, que Cannes redevienne champion de France et une place forte du volet européen. Voilà, continuons, amusons-nous, profitons de ce beau pays, de cette belle ville et on est très bien ici. Merci aux Martinez
Merci aux Martinez de nous avoir permis de réaliser cette interview ici parce qu'on est quand même pas mal. Voilà. C'est tout.